C'est bon, la voiture, elle lance des pets. La voiture, elle lance des pets. Arrête de péter, la voiture. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un petit G-mode Dark RP des familles. C'est parti. Bonjour, madame. Bonjour. C'est quoi votre travail, en fait, là-dedans? Je suis une salope. Ça commence bien. Ah, d'accord. Et vous êtes payé par qui pour faire ce métier qui a l'air super passionnant? Par le maire. C'est vrai, le maire vous emploie pour faire ce travail, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Madame la salope, je vous dis au revoir, hein, bonne journée, je vous fais des bisous. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est... non mais c'est n'importe quoi, il y a un flic qui est arrivé, il lui tire dessus. Il a frappé le véhicule de la police. Ah bon? Mais ça c'est pas gentil, t'es le bordel dans cette ville, regardez. Allez, on rentre à la maison. Le maire m'agresse. Arrêtez, monsieur le maire. Bonjour madame, qu'est-ce que vous faites? C'est un progrès du con. Eh, je t'ai pas parlé toi, alors rentre chez ta mère. Il a la rage. Regardez cette rage intense qu'il a. Wow, le gangster en Citroën C5, ma grand-mère elle a la même. Stylé mon gars. Je crois que tu parles comme ça, je te casse ta mâchoire. Eh, tu crois que tu me fais peur, espèce de touriste? Alors attendez, on va rentrer dans la banque, voir ce qui s'y passe sans faire toc toc toc. On va rentrer dans la banque sans faire toc toc toc. Comment on ouvre ce bordel? Où est le bouton? Ah, le bouton est là les amis, j'ai trouvé le bouton pour actionner la porte. Évidemment, ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Oh mon dieu, du fric, putain, mais j'ai de la chance aujourd'hui, je trouve de l'argent par terre. Allez, 100$. Et vous savez à quoi vont nous servir ces 100$? Vous le savez au plus profond de vous. Putain, mon gars, j'ai trouvé une voiture, regardez comment elle est trop belle, c'est génial. Moi qui n'avais pas de véhicule, je suis super content. Alors attendez, on va se garer là, on va essayer d'aller voir dans le restaurant, qu'est-ce qui se passe? Regardez la belle voiture, je me garer juste à côté. Ma voiture fait des pétarades, regardez-moi ça, c'est magnifique. Putain, mais c'est vraiment... elle est trop bien cette bagnole, je l'adore. Je me gare pour venir manger des trucs avec elle. Ouais, mais attendez, j'ai pas les clés de ma voiture, donc s'il vous plaît, la volez pas, c'est ma Ferrari. T'es pas moi, à la côté. Voilà, ça a bugué. Comment? Attendez, excusez-moi. Vous avez bégayé un petit peu là, j'ai pas compris. Je vous envoie de l'essence dans la gueule. L'essence, j'aime bien. Vous appréciez l'essence? Respirez donc, mon pot d'échappement. Allez-y, mettez la bouche. Allez-y, ouvrez dans la bouche, je vais accélérer un grand coup. Mais ouais frère, je mets du kérosène dedans mon pote. Elle t'envoie dans l'espace ma Ferrari volée. Bah attendez, y'a Snoop Dogg encore, on a retrouvé Snoop Doggy Dogg. Je vais suivre mes nouveaux amis, ils ont vraiment une voiture stylée comme la mienne. Ils fument leur bagnole aussi. Oh le bordel. Putain mais les mecs ils mettent de l'huile de friture ou quoi dans leur caisse? Bah, il paraît que ça marche hein, sur les voitures diesel hein. J'ai jamais essayé, je préfère pas le faire sur la mienne, mais il paraît que ça marche. Par contre, quand tu roules, ça sent un peu la frite. Après, faut faire des choix, alors soit tu pues la frite et tu payes plein d'essence, soit tu fais comme tout le monde et tu payes ton gasoil comme un bon citoyen. On dirait qu'il y a une teuf ici, on va essayer de s'incruster avec nos nouveaux copains. Oh, Snoop Dogg, comment tu vas, mon petit Snoop Doggy Dogg? Je veux de la drogue. Mais grave, je veux de la drogue, Snoop Dogg. Donne-moi de la cab. S'il vous plaît, veuillez partir de notre maison. Apparemment, on est dans une propriété privée. Mais apparemment, il y a une fête, on nous a invités ici. J'attends mon chef. Ouais, mais on s'en fout, mais on nous a dit qu'il y avait une teuf ici. Ouvrez la porte, je vais faire la fête, les amis. Je vais faire le tour de la maison. La porte est fermée et nous devons repartir. J'espère juste qu'on m'a pas volé ma Ferrari volée. Non, c'est bon, les gens sont honnêtes. Oh là, putain, mais elle a fait des trucs bizarres, la voiture au démarrage. Il reste quelques frites dans l'huile quand j'ai mis dans le moteur. Il ne se passe rien, on va retourner dans la ville. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à conduire sur G-Mode, c'est absolument horrible. Entre les lags, la maniabilité qui est infecte. Franchement, j'ai jamais réussi à bien conduire, c'est horrible. Ah, attendez, j'ai cru voir le cuisinier. Oh, il est là. Oh, il est là. Bonjour, monsieur le chef. Bonjour, monsieur, suivez-moi. Oh, oui, je vous suis immédiatement. Vous voulez quelque chose? Parce que en lisant dans mes pensées, vous pouvez deviner ce que j'ai envie. Non. Voilà, monsieur. Non, monsieur. Vous faites erreur. Vous avez pas des... Tinkawanka? Des quoi? Vous ne savez pas ce que c'est que des Tinky Winky? Monsieur, je vais devoir vous tuer si vous ne savez pas ce que c'est. C'est ça, monsieur? C'est quoi ça? Mais non! Ça, c'est une aile de poulet! C'est du poulet! Ouais, c'est du chien. Bon, monsieur, tout ça déjà, monsieur, ça... Les deux plats, ça fait 300 euros, s'il vous plaît, monsieur. Quoi? Vous foutez de ma gueule? Vous me l'avez donné avant que je paye, donc c'est gratuit. Moi, je crois que c'était les restos du cœur ici. Attendez, j'ai quelqu'un à tuer là qui arrête pas de klaxonner. Eh, vous voulez pas fermer votre gueule, vous? Eh, c'est ma bagnole! Rendez-moi ma caisse! Oh, voleur! Oh! Au secours, on m'a volé ma voiture! D'accord. Les flics en ont rien à foutre. Oh! Monsieur, mais... j'ai tiré aux toilettes. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu si vous me donnez un Big Mac. Je vous ai déjà donné deux Big Mac et deux frites, monsieur. Oui, mais vous savez, moi j'ai très faim, monsieur. Le cuistot est en train de printer dans les chiottes, quoi, en vendant des Big Mac à côté. Qu'est-ce qu'on va faire aux toilettes, à votre avis? Bah, caca.
Qu'est-ce qu'on va faire en toilette? Je suis allé chier, je suis allé pisser. Ouais, comme par hasard. Et pourquoi alors t'as dit qu'est-ce qu'il a nous foutre? Il a trop la rage. Filmé, c'est filmé, donc on t'entend le dire. Ok, t'inquiète, toi aussi c'est filmé, tu seras même dans une vidéo qui fera beaucoup de vues. T'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, monsieur? Pourquoi vous poussez des cris comme ça? Toi, la ferme, je vais rien te faire. Ça le manque de respect, quoi, merde. Le cuisinier, oui. Depuis tout à l'heure, j'attends à bouffer, donc tu vas me passer à bouffer. Il se fait braquer pour de la bouffe, quoi, le mec. De la pizza, là, tout de suite. Il le braque avec un flingue, mais il demande combien ça coûte. C'est un braqueur honnête, oui, monsieur. Toi, sors quand je prends les pizzas. Non, mais tranquille, je vais pas te les manger. Ah, j'ai une pizza, ouais, trop bien. Oh, mec, t'es trop sympa, j'ai eu la 11e gratuitement. Maintenant, tu vas aller contre le mur. Tu veux pas vomir ta 11e pizza et me la redonner à manger, j'ai trop faim. Oh, j'aurais été braqué, gros. Que dalle, hein. Ah, t'as non, lu les règles, quoi. Sécurité. Ah, ouais. Ouais. Vas-y, on se connaît pas. On se connaît pas. Le mec, attends, il me braque en agent de sécu. J'avais appelé un administrateur. Non, j'ai pas que ça à foutre, je m'en bats les couilles. Oh la vache, c'est ouvert ici. Oh, bah attendez. Alors, ce requête. Normal, au calme. Oh, qu'est-ce qui se passe ici, là? Pourquoi il y a du sang, là? Attendez, on va monter voir ce qui se passe, là. C'est le bordel. Truc chelou qui se passe en ville. Oh, ouais, pourquoi tu me frappes, toi? C'est toi le truc chelou. Au secours, au secours! Monsieur. Ah, oh, merci, monsieur le clown. Je vais pas vous faire un bisou pour vous remercier. Non, mais monsieur. Non, monsieur, ne me donnez rien. Si, j'insiste, Ne me donne rien, monsieur. Bon, bah cool, il y a un clown qui m'a sauvé la vie. Enfin, c'est pas un clown, c'est un braqueur. Mais qu'est-ce que c'est que cette mangouste? Eh, qu'est-ce que t'as la mangouste? Dégage, toi, tu veux pas se te casser toutes tes dents. T'as dit? Arrête, non. D'où tu m'insultes, toi? Lâche-moi la mangouste. D'où tu m'insultes? Arrête. Ah, tes conneries. Viens. Eh, frère mangouste, arrête. Mais je suis ton copain. Les mecs, ils ont la rage sur ce serveur, c'est un truc de ouf. Ah, mais vous avez des boops, j'avais pas vu. Cache-toi. Le délire. Oh, un beau chinois. Tu veux pas être mon copain, un gros chinois? Peut-être que Mathieu Dong va m'inviter à manger des naines. Bon, c'était un peu raciste, hein, monsieur. Bon, ça passe. Tu vois la maison bleue? Ah, monsieur Dong, oui. Elle est où? C'est une maison bleue. Un dossier à corridor, il y a pied. Ceux qui vivent là-bas ont perdu la clé. C'était l'instant musical, les amis, j'adore. Oula, oulala, oulala. C'est quoi ce bordel? Eh, oh, le prop skill. Oula, oula, qu'est-ce que t'as? Eh, calmez-vous. Non mais arrêtez. Non, mais c'est ce bordel. Arrêtez vos conneries. Non mais attendez, les mecs ils sont en train de se prop skill avec des voitures en feu là. Eh, en tout cas, j'avais jamais vu sur un serveur de Gmod comme ça les flammes. Et ça, c'est bien stylé, mon gars. Ne serait-ce pas Jack Sparrow, mon copain Clodo? Mon copain SDF. Oh, Jack Sparrow, mon copain Clodo. Il a des spasmes. Arrête de me lancer de la bouse. Frère. Je me fais agresser par des clodos, ils m'envoient leur merde dans la gueule. Eh, hey, Jack Sparrow, on était copains avant, tu te souviens pas? T'es un youtubeur? Non, je suis pas un youtubeur. Vous pouvez danser pour moi les clodos, s'il vous plaît? S'il vous plaît, j'ai pas d'argent. Arrêtez de marceler, je vais devoir vous tuer. Radin, va, espèce de radin. Oh, hey, bouffe ma merde. Parce que je donne pas d'argent. Mais mec, moi j'ai pas de sous. Je suis un putain de clodo, moi aussi. On attend mon crabe. Hein. Tiens, on attend ton crabe. Ouais, il est dans mon crabe. Oh, bonjour, monsieur le gangster rap. You come from Boston, Texas. You go in the USA of America. Ça veut absolument rien dire, je suis une grosse bite en anglais. Mais moi j'ai tenté, les amis, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Faut essayer, même si tu sais pas, et bah t'essayes. Et puis faut que j'arrête de parler comme ça, parce que c'est une voix vraiment bizarre. Hein, vous aimez bien ou pas quand je parle comme ça? Dites-moi en commentaire, ouais. Dites-moi en commentaire si vous aimez que je parle comme ça. Tu peux aussi laisser un petit pouce si tu kiffes cette voix. Qui est totalement insupportable. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Tortan, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, Tortan, qu'est-ce que tu fais là? Aérer ton bateau va bientôt décoller. C'est pas ça les paroles. Je veux quitter le monde des fous pour de bon. Je veux vivre dans la nature, loin de la pollution. Voilà. Tu chantes très bien, tu sais. Merci, Tortank. Est-ce que je peux te faire un bisou? Oh, bonjour, monsieur Poulain. Attendez, je suis sur vos genoux, monsieur l'agent. Oh oui, c'est tout dur. Oh, monsieur l'agent, j'aime être sur vos genoux. Ça le fait marrer. C'est de Tchernobyl derrière votre bagnole, monsieur. Porte-couille. Porte-couille. Attends, mais arrête. Tu es fou. Hé, hey, arrête, tu me rends fou. Est-ce qu'on peut chanter une chanson tous ensemble? Oui, oui. Non, il est fou, lui. Eh, tu es fou, toi. Ouais, ouais. Lui, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur, il s'appelle Tunis. Salut, Tunis.
Mais arrête, attends, calme-toi. Tu m'as saoulé, toi. Calme-toi. Vous connaissez la Marseillaise ou pas? Jour de gloire est arrivé contre de la tyrannie. Blasphème! Blasphème! Il t'a tenu par la tête en plus! Qu'est-ce que c'est que ces menottes? Regardez, je suis policier maintenant, j'ai des menottes qui volent! C'est absolument génial! Est-ce que t'aimes bien la poutine ou pas? Oui! Elle est bien! Hé, tabernac, arrêtez ça! Oh putain, la violence, bref! J'ai pas compris. Est-ce que tu veux être mon ami? Oui! Ah! Vas-y, qu'est-ce qu'on dit? Non, ça va. Ok. J'adore son accent. La prise de temps, bah j'en ai aucune idée. Ah bah je comprends pas tout. Ah mais je sais, on va peut-être pouvoir parler anglais. Do you speak English? Je sais où. Maison en dehors de la ville. Notre ami québécois est en train de piloter la voiture de flic pour nous rendre sur le lieu du crime. Ah putain, c'est ici apparemment. Je vais tous les fumer à part, comme un gros cigare cubain. Ça va chier. Ils sont où? Pas de négociation avec moi. On va y aller et on les bute tous. Ouvrez la porte, on vous bute. Sortez de là, c'est la police! Ils sont là! À terre, on a dit! À terre! C'est normal, les connaissances ne sont pas achetées, mes collègues. Tabernacle, il y a une prise d'otage. Arrête de mon méchant! Je comprends rien! Qu'est-ce que t'as dit? Ça m'appelle Jack Gig, ok? Mais sur lui! Ah là là, je suis nul, je sais pas conduire! Mais je sais conduire! Sûrement pas! Arrête! Arrête tes conneries! Oh! Attendez, il y a un gosse de 10 ans qui est en train de piloter une bagnole. Dégage de là. Dégage, maudit trou de cul. Maudit trou de cul. Va brûler en enfer. En vrai, faut dire maudit trou de cul. Va brûler en enfer, taberdac. Ok. Ah, c'est quoi le problème du véhicule? Il fume à l'arrière. Qu'est-ce que c'est qu'il boit une cul? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Non. Ah, c'est pas grave. Putain, on va avoir des couilles. On ramasse des couilles, t'as dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'en a aucune. La poutine, est-ce que c'est vraiment bon ou c'est un mensonge que tous les Québécois ils disent? Bah non, c'est bon. C'est super bon, c'est juste parce qu'il y en a qui, comme moi, ils sont trop gros. Les Québécois, là, ils sont plus gros que les autres. C'est vrai? Ils sont obèses. Non, mais c'est que comment que je veux dire, là. Ils mangent plus. Pourquoi elle s'excite ta tête, là, comme ça? C'est la première fois que je vois un youtubeur. Ben, ils mangent aussi de la pizza. Ah, ça va, c'est pas mal. Alors, attends, on va essayer de reprendre la bagnole. Elle est coincée. Elle est mort, la voiture, elle lance des pets. La voiture, elle lance des pets. Arrête de péter, la voiture. Eh, hey, la voiture, arrête de péter! Ouais, arrête de péter! Arrête de péter! En fait, c'est qu'il n'existe pas de médicaments pour la voiture. Ça, je comprends rien. On peut lui donner du sirop. On peut lui donner du sirop. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais je pense qu'elle a mangé trop de poutine, la voiture. Wow! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Wow, une grosse famille. Une grosse famille de pingouins. Merci d'avoir écouté la vidéo de Tony. Merci, au revoir. Et laissez un like, un commentaire et un pouce bleu. Merci. Bonsoir. Vive le Québec libre. Au revoir.